Welcome. This is room CC9. Bienvenue. Nous sommes dans la salle CC9 et nous sommes à la séance parallèle sur les transitions vers des énergies propres axées sur l'humain. Si vous n'êtes pas dans la bonne salle, je vous invite à rester parce que ce sera probablement la meilleure session parallèle de cette conférence. Alors, pour lancer cet événement parallèle, j'ai l'honneur, pour démarrer, de donner la parole à la présidente de cette conférence ministérielle de l'AIE, Madame la ministre de l'énergie américaine, Jennifer McGranahan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la session parallèle de la conférence ministérielle 2022 de l'AIE, intitulée « Garantir une transition juste vers des énergies propres axées sur l'humain ». Je remercie très sincèrement Monsieur le ministre Dan Jurgensen d'avoir organisé cette session. Nous allons consacrer beaucoup de temps lors de cette ministérielle à discuter de la manière dont on peut, de la meilleure manière, donc, se saisir des opportunités d'investissement, lever des obstacles au déploiement et finalement arrêter de financer les autocrates comme Vladimir Poutine. Mais en fin de compte, la transition des énergies propres dépend des individus, de la manière dont nous nous servons de ces formidables technologies pour développer l'économie locale, pour leur payer des salaires qui leur permettent de faire vivre leur famille, baisser leurs factures et offrir une meilleure santé. Il y a peu de personnes aussi engagées pour utiliser l'énergie propre pour aider les populations défavorisées que mon collègue américain, le sénateur Joe Manchin de la Virginie occidentale. C'est formidable de vous voir ici. Le sénateur Manchin représente l'une des régions qui, au cours du siècle dernier, ont littéralement aidé à alimenter l'Amérique et le monde en électricité grâce à son secteur du charbon et des énergies fossiles. Et comme il vous le dira, eh bien, ces populations ont vraiment les compétences, les ressources et la détermination d'aider à alimenter en électricité l'Amérique pour le siècle à venir. J'ai eu le privilège de me rendre en Virginie occidentale à deux occasions avec lui ces dernières années. Et je puis vous dire que vraiment, on sent que le potentiel de ces populations correspond bien à l'enthousiasme des résidents. Et je veux dire que les administrés du sénateur Manchin ont vraiment envie et sont prêts à devenir l'épine dorsale de l'économie de l'énergie propre aux États-Unis. Le président Joe Biden sait cela également. Il croit véritablement que l'énergie propre peut être un moteur d'opportunités économiques avec l'équité et la justice environnementale. D'ailleurs, lors de sa première semaine en fonction, le président Biden a adopté deux mesures pour lancer ce moteur. Il a lancé son initiative Justice 40, s'engageant à ce que 40% des profits des investissements en énergie propre au niveau fédéral soient reversés aux populations défavorisées. Il a lancé également un effort entre toutes les agences pour aider certaines des populations les plus vulnérables, parce qu'elles dépendaient du secteur du charbon, notamment les aider à jouer un rôle clé dans l'économie de l'énergie propre. Et depuis, nous avons lancé de nouvelles initiatives et des investissements colossaux pour montrer que les technologies en énergie propre vont permettre d'offrir du travail aux travailleurs des secteurs des énergies fossiles, notamment grâce à l'hydrogène propre, au captage direct atmosphérique du carbone, au nucléaire, à la géothermie. Et nous avons vraiment décidé d'unir nos efforts internationaux pour créer des forces vives mondiales pour une énergie propre qui va être aussi diverse que notre planète. Et nous pensons qu'avec une aide vraiment très forte pour les habitants de toutes les régions du monde, eh bien, nous allons réussir non seulement à survivre à cette transition, mais faire en sorte que tous puissent en profiter. Et tout ça se fonde sur une expérience. Je l'ai vu au Michigan, où j'ai été gouverneur. Et nous allons voir ça notamment aussi à Pittsburgh, lorsque les États-Unis vont accueillir la conférence ministérielle sur l'énergie propre et la ministérielle Mission Innovation en septembre. Pittsburgh, c'est la ville de l'acier aux États-Unis. Elle est l'exemple vivant de la manière dont une économie traditionnelle peut se transformer en un véritable centre des technologies pour les énergies propres et l'innovation. Mais en même temps, je voudrais féliciter la Commission mondiale de l'AIE de ses recommandations pour ouvrir l'avenir des énergies propres à tous. Et bien sûr, il ne s'agit que d'un des nombreux efforts que l'AIE a entrepris dans ce domaine. Nous savons tous à l'AIE, tous ceux
qui participe aux travaux de l'AIE, eh bien, nous voyons les immenses opportunités qu'offre l'énergie propre. Nous savons que le marché mondial de ces technologies pourrait atteindre 23 000 milliards de dollars, au moins d'ici la fin de la décennie. Mais qui va en profiter? Et où va-t-on se saisir de ces opportunités? Eh bien, je crois que la question, vraiment, c'est de bien comprendre à quel point l'opportunité est immense et voir comment nous allons nous partager les bienfaits, les profits de cette opportunité. Voilà. En tant que président de la conférence ministérielle 2022 de l'AIE, je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous souhaite des échanges constructifs et me réjouis d'entendre vos idées. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de votre intervention ô combien optimiste et merci d'avoir évoqué des régions, des endroits où cela fonctionne. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Finalement, tout dépend des individus, de l'humain. D'ailleurs, c'est ce dont il était question dans cette session parallèle. Je donne la parole maintenant au directeur exécutif de l'AIE, M. Fatih Birol. Merci. Merci beaucoup. Je remercie encore une fois Madame la ministre, d'avoir bien voulu ouvrir cette séance parallèle et merci aussi d'avoir accepté de présider cette conférence ministérielle 2022. Je me réjouis de la présence de d'autant de participants ici et merci aussi à tous ceux qui participent en ligne. Alors, je remercie également le ministre Dan Jørgensen d'avoir organisé cette séance. Alors, selon moi, ce dont nous parlons aujourd'hui est vraiment au cœur de l'action sur l'énergie verte. On dit toujours que les transitions vers des énergies propres sont pour les individus et axées sur les individus. Et comme l'a dit Madame la ministre, il faut vraiment bien comprendre que suite à la transition vers des énergies propres, nous allons voir des millions d'emplois créés, bien plus de créations d'emplois que de suppressions d'emplois. Et non seulement il y aura des créations d'emplois, mais la vie de millions de personnes dans le monde va s'en trouver également améliorée grâce à la réduction de la pollution atmosphérique. Et j'ai des collègues de diverses régions du monde qui connaissent les difficultés liées à la pollution atmosphérique. Donc la vie va s'en trouver améliorée, mais en même temps, on ne peut pas uniquement penser au nombre d'emplois créés, parce que parfois des emplois sont supprimés à un endroit et des emplois sont créés à d'autres endroits. Donc, si on ne trouve pas de bonnes solutions à ces suppressions d'emplois dans les secteurs touchés, eh bien, nous n'aurons pas de succès pour la transition vers des énergies propres. Donc, il faut bien reconnaître que certains vont perdre, certaines populations vont perdre dans cette transition. Il va y avoir des impacts négatifs et il faut arriver à les compenser. C'est la raison pour laquelle j'ai réuni l'année dernière la Commission mondiale sur les transitions vers des énergies propres axées sur l'humain avec 30 ministres et représentants du monde du travail. Nous avons essayé de voir comment la transition vers une énergie propre peut vraiment être axée sur l'humain. Je remercie le ministre danois de mener et de diriger ses efforts. Je vois qu'il y a également des participants, notamment Diego, qui monsieur le ministre colombien de l'énergie, merci de participer à ces efforts aussi. Et comme l'a dit Madame la ministre, Monsieur le sénateur Joe Manchin fait partie aussi de notre commission. Merci d'être venu à Paris aujourd'hui. Merci également aux autres participants. Notre commission mondiale a fait 12 grandes recommandations suite à une année de discussion entre les 30 membres de notre commission. Et nous avons travaillé à faire en sorte que toutes les politiques soient axées sur l'humain et soient inclusives. Ces recommandations ont été lancées juste avant la COP26.
et elles ont déjà des répercussions. Tous les ministres m'en ont parlé et ils ont tiré sur ces inspirations. Je voudrais également souligner ici une nouvelle initiative que j'ai lancée parce que par le processus de la Commission mondiale, eh bien, j'ai été frappée par l'importance de la voix du monde du travail et l'importance entre les liens entre le monde du travail et l'énergie propre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place un nouveau dialogue entre les parties prenantes du secteur de l'emploi et de l'énergie pour une transition juste. Il y aura des représentants du monde du travail, de la société civile, du monde entier, et dans quelques instants, nous allons entendre une intervention du secrétaire général de la Confédération syndicale internationale ainsi que un représentant des syndicats sud-africains qui vont présider ce nouveau conseil énergie-travail. Et ils se sont réunis pour la première fois il y a 2 semaines et ont donné des perspectives sur les questions liées au travail qui ont un effet sur la transition énergétique. Chers collègues, nous allons continuer à travailler sur cette question en appuyant tous nos membres, tous nos partenaires. Et bien au-delà, nous avons déjà commencé le travail avec les gouvernements indiens, indonésiens et sud-africains pour les aider dans la dimension humaine de l'avenir de leur énergie, c'est-à-dire comment faire en sorte que la transition énergétique permette de réduire les effets négatifs potentiels à minima afin que cette transition soit couronnée de succès. Aucune transition énergétique, selon moi, ne devrait se faire en dépit des individus. Non, au contraire, elles doivent être axées sur l'humain. Nous nous engageons à continuer à travailler avec chacun, chacune d'entre vous sur ce sujet. Et donc, je me réjouis de nos échanges ce matin. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Fatih, de cette intervention. Et mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, pour planter le décor, je crois qu'il faut dire que nous sommes ici pour parler de notre mission commune, faire en sorte que la transition vers des énergies propres soit juste et axée sur l'humain. Et je crois que la mission est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Comme Fatih l'a dit, les travaux de la Commission ont été lancés juste avant la COP26 et le Danemark, en tant que président de cette commission, a vraiment essayé de faire en sorte que nous puissions tirer les conséquences, les enseignements des conclusions de la COP26. Et vraiment, nous avons vu qu'il était important que l'AIE se concentre sur ces questions à l'avenir. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu le rapport, je ne peux que vous recommander la lecture de ce rapport qui vous donne d'excellents exemples. Et cela met également en avant le fait que la transition vers des énergies propres va créer des millions d'emplois au niveau macro. Mais niveau macro, ça ne signifie pas grand-chose si vous êtes touché au niveau micro. Donc il y a des emplois qui vont être supprimés, c'est vrai. Et l'objectif de tout ce travail est de faire en sorte que cette transition soit juste et que des emplois, de nouveaux emplois soient créés pour les personnes qui ont perdu leur emploi, qu'ils soient formés et qu'ils puissent poursuivre dans de bonnes conditions leur vie. Et certains disent qu'il faut choisir si vous souhaitez créer de l'emploi. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas se lancer vers une transition verte. Bien, je crois que nos travaux montrent très clairement que ça n'est pas le bon choix. On peut faire les deux. Et il y a de nombreux exemples de cela dans les travaux qui ressortent des travaux de la Commission. Il y a plus de 150 études de cas qui montrent que ces 12 recommandations ont déjà été mises en œuvre dans le monde entier, dans différents cadres. Alors, premier exemple pour la première catégorie, pour faire en sorte que les transitions puissent vraiment créer autant d'emplois décents que possible. Au Danemark, nous avons décidé que d'ici 2050, nous mettrions fin à l'exploitation du pétrole et du gaz. Et beaucoup de personnes ont été touchées par cela, par la fin de l'exploration
Et donc, l'idée, ça a été de créer vraiment des moyens de stockage du carbone. Et l'idée étant de se dire que les personnes qui étaient touchées par la fermeture d'entreprises dans le secteur du pétrole et du gaz pourraient être reconverties dans l'industrie du stockage du carbone. Voilà, c'est un exemple. Alors, pour planter le décor, maintenant, je me tourne à présent vers secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Madame, c'est à vous. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous en personne et j'espère qu'il n'y a pas de bruit gênant de mon côté. Vous savez, l'AIA a joué un rôle de leader très impressionnant et je remercie également les États-Unis et le Danemark parce que vous avez piloté cette commission qui nous a mis sur la bonne piste l'année dernière. Donc je dois parler de la tragédie du conflit en Ukraine, mais il y en a 60 autres dans le monde qui menacent la sécurité de tous. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de voir que tout en répondant à la crise ukrainienne et à d'autres crises dans le monde, qu'il s'agisse de santé ou d'inégalité ou autres sujets, tout cela est lié. Nous devons avoir une vision du monde que nous voulons créer, qui nous voulons que les personnes et le monde soient au cœur non seulement d'une transition juste, mais une transition qui nous assure la sécurité commune sur cette planète. Donc, le leadership de l'AIA, grâce à tous ses ministres et tous les autres responsables politiques, joue un rôle vital. Je suis convaincu que l'AIA doit même se renforcer, doit être un acteur plus important dans le cadre de cette transition cruciale. Nous devons tous en faire partie pour garantir cet avenir durable que nous devons créer. Donc, Fatih, merci beaucoup pour votre leadership et merci à votre équipe parce qu'il faudra des partenaires. C'est un acte de foi de m'avoir invité à faire partie de la commission l'année dernière, mais un autre acte de foi, c'est de créer un conseil des travailleurs. Mais elle jouera un rôle vital si nous voulons coopérer avec les États, le gouvernement, les autres acteurs capables d'assurer l'aboutissement positif de ce poste. En écoutant notre collègue américaine, elle a dit 23 trillions. Pour nous, ce sont des emplois. Des emplois, des emplois, des emplois. Les recherches nous indiquent, mes recherches personnellement avec certains organes, que pour 10 emplois dans les renouvelables, il y en a 5 à 10 dans la production, sont de bons emplois, bien rémunérés. Lors des négociations collectives avec les syndicats, si on respecte les règles du jeu, donc ça veut dire 30-35 emplois supplémentaires, ce qui crée des communautés et le renouveau de nos collectivités locales. Pour cela, il faut prévoir, il faut planifier et dialoguer. Dans le contexte actuel, il y a 3 choses que je souhaite dire. D'abord, l'AIA déjà a joué un rôle de leader sur l'efficience énergétique. Nous avons constaté une panique face à la perturbation des chaînes d'approvisionnement en gaz. Et c'est un problème qu'on peut surmonter, pas en se battant autour des contrats, mais en reconnaissant que le gaz, bon, c'est une technologie de transition pour arriver à cet avenir où on aura des renouvelables propres. Et l'efficience énergétique pour nous permettre de faire au moins la moitié du chemin si nous sommes sérieux. Mais il faudra que tous, les entreprises, les États, doivent prendre des engagements au niveau des bâtiments et par rapport aux salariés. Et des personnes comme moi-même et la société civile, nous devrons convaincre les salariés d'y participer. Et nous sommes parés à cela. Mais l'AIA, là encore, joue un rôle central. Deuxième chose, c'est encore moins appétissant. L'AIA, encore là-dessus, doit travailler pour assurer l'adhésion de ses membres.
et l'adhésion de tous les représentants des collectivités pour que les entreprises des combustibles fossiles soient maîtrisées. Ces grandes entreprises ont le capital, ont l'expertise technologique et les salariés. Ce sont de bons emplois. Nous avons négocié depuis des années pour les avoir. Nous sommes battus pour qu'il y ait ces subventions à hauteur de milliards dont bénéficient les combustibles fossiles pour que ce soit abordable et pour impulser l'innovation dans d'autres domaines. Les achats, par exemple. Néanmoins, ces entreprises du pétrole et du gaz ne sont pas engagées dans une transition. Nous avons un capital sous forme de fonds de pension et l'investissement dans les renouvelables, même parmi les meilleurs, sont très bas. Il y a une possibilité de protéger et accroître les emplois et asseoir un meilleur avenir, plus stable énergétiquement. Ces entreprises doivent se transformer rapidement. Si elles ne le font pas, elles vont envisager des solutions drastiques. Pourquoi elles ne seraient pas des entreprises au service des collectivités? Pourquoi ne pas revoir les règles du jeu? Parce que ces entreprises génèrent des bénéfices énormes, déformant leur vision, les ambitions, parce qu'elles ont une responsabilité sociale qu'il faut revoir jusqu'à la redistribution et une refonte pour empêcher la pauvreté énergétique qui existe aujourd'hui et qui s'accroîtra avec l'invasion de l'Ukraine. Nous sommes d'accord avec les sanctions, mais on doit comprendre les conséquences de celles-ci, pas seulement sur la pauvreté énergétique, mais d'autres formes de pauvreté. Donc, il faut bien comprendre les politiques et leurs conséquences. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre quelles sont les répercussions sur les autres acteurs de la transition. Et ce que je veux dire, c'est que nous étions ravis de voir que la COP a mis l'accent sur la transmission énergétique juste et les partenariats qui nous ont permis d'obtenir le soutien de l'Afrique du Sud doit s'étendre à d'autres pays. Je sais qu'on est en discussion avec la France, l'Europe dans son ensemble et d'autres domaines. Et c'est un travail en cours qui doit être consolidé pour être sûr que pas seulement on fait ce qu'il faut du côté du capital, mais que le système fonctionne. Et ça ne sera pas le cas si on ne transforme pas la question des gens. Si on prend le marché du travail, 60% des travailleurs qui sont dans l'économie informelle, nous savons aussi que la grande majorité des personnes qui font face aux conséquences de la pauvreté, qu'ils travaillent ou pas, 60% de ces personnes sont des femmes. Nous devons faire en sorte que cette transition soit juste pour les genres. Je n'en dirai pas plus, mais je vous rappelle que pour nous, il s'agit d'emplois, de bons emplois. Nous savons qu'il faudra envisager des déplacements. Nous avons besoin de sécuriser nos pensions, envisager des retraites anticipées, mais il faut aussi faire du reskilling, du redéploiement de ces salariés qui vont être déplacés, sans oublier les investissements dans les communautés. Mais je pense qu'on peut trouver les solutions. Là, je ne suis pas pessimiste, mais ce qui me fait peur, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Si on protège les intérêts des plus forts, les entreprises et leurs actionnaires, on ne réussira pas les transitions. Et donc, sur une planète morte, il n'y a ni emploi, ni activité, ni entreprise. Donc, c'est dans notre intérêt de coopérer. Donc, je félicite l'AIA et leur ministre sur leur action. Et je m'engage à travailler avec vous. Le défi est énorme, mais on peut le réussir. Merci beaucoup. C'est un message introductif très fort, très puissant. Je suis ravi de vous entendre parler en priorité de l'efficience énergétique. Effectivement, c'est une grande question.
pour nous au Danemark en ce qui concerne la création de l'emploi et la transition. Donc nous allons maintenant commencer notre tour du monde des ministres, mettant en accent ce qui va se passer chez eux. Donc nous commençons en Colombie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Birol et à la secrétaire Grandhomme d'avoir organisé cet événement. Je suis membre de la Commission mondiale depuis 18 mois à peu près. Donc, je pense pouvoir dire que nous avons bien avancé et ces recommandations sont très encourageantes. Mais je vais vous parler rapidement de ce que nous avons fait en Colombie. Il faut voir une approche duale parce que nous sommes membres de l'OCDE et un pays à revenu moyen, mais nous avons un écart énergétique à combler. Il y a un certain pourcent de notre population qui n'a pas d'accès à l'énergie. Nous avons plus d'un million de familles qui utilisent le bois pour faire la cuisine. Donc, nous avons besoin d'impulser le développement. Et ce qui est très important pour des pays comme le nôtre, qui disposent d'espaces budgétaires limités suite à la pandémie, c'est qu'il doit y avoir des règlements, des règles susceptibles d'attirer des investissements privés pour combler ces écarts énergétiques. Depuis 4 ans, avec des moyens publics, nous avons électrifié à peu près le système pour 100 000 familles, et le secteur privé doit pouvoir en faire autant pour apporter l'électricité à 200 000 familles, ce qui sera la moitié du chemin que nous devons atteindre en 2031. Et il faut envisager des réseaux virtuels, incluant des possibilités hors tarif. Nous avançons assez bien. Il nous reste à peu près 5 mois pour terminer le projet. Nous sommes à 75%. Ces 100 000 familles devraient être reliées au réseau en mois d'août. En écoutant un orateur dans un autre panel, un panéliste a dit qu'il ne s'agit pas d'allumer une ampoule pour quelqu'un. Il s'agit de créer des opportunités pour la vie, des opportunités commerciales. Et quand je fais le tour de mon pays dans ce processus, on voit qu'une famille peut acheter, par exemple, des machines à traire électriques, ce qui rend sa production plus efficace, que ce soit dans le domaine agricole ou de la pêche. Et ça transforme une vie. Deuxième aspect, c'est qu'il faut protéger des emplois, bien sûr. Et dans ce cadre-là, nous avons des possibilités de reconversion sociale. Une question largement débattue en Colombie, c'est que les deux provinces avec les meilleures possibilités pour le solaire et l'EUN sont les deux provinces où on produit le plus de charbon. Et à 35-40% dépend de charbon thermique, mais qui n'est pas brûlé en Colombie, donc parce qu'il est exporté. Et il faut penser à ces emplois de ces personnes. Il faut envisager des projets de conversion pour ces personnes dans ces provinces. C'est pour cela que nous avons essayé de massifier l'incorporation des énergies renouvelables tout en protégeant les emplois locaux. Donc, nous allons poursuivre nos efforts de leadership en Amérique du Sud. Nous avons fait passer le pourcentage des renouvelables de 0,2 à 12%, ce qui veut dire 40 000 emplois par an. Voilà donc petit aperçu. Nous envisageons l'hydrogène vert aussi. On en parlera tout à l'heure sans doute, mais je m'arrête là et je vous parlerai plus tard de nos défis. Thank you. C'est-à-dire en impulsant la transition, mais en protégeant des emplois. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant.
dans nos études de cas, on parle de la priorité de l'accès universel à l'énergie propre. Voilà, je crois que c'est le numéro 5. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est... Donc, nous n'allons pas nous éloigner beaucoup de la Colombie. Nous passons la parole au ministre du Chili. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette occasion pour vous parler des perspectives de notre nouveau gouvernement. Et il est très intéressant de suivre cette discussion sur la transition vers les énergies propres. Je vous synthétise très rapidement ce que nous avons fait et où nous en sommes dans le processus de transition. Nous avons bénéficié de notre participation à la Commission mondiale. Le Chili s'est engagé à, sur un objectif zéro carbone en 2050. Tout cela passe par des réductions d'émissions, bien sûr, mais il faut se rappeler que 80% de nos émissions proviennent du secteur de l'énergie. Donc, nous avons réalisé une bonne avance en renouvelable depuis 10-15 ans et plus de 50% c'est du renouvelable et 25% de notre génération c'est du non renouvelable. Donc, récemment, nous avons mis en œuvre une transition juste vers un développement durable grâce à une stratégie juste en protégeant les plus vulnérables dans ce processus de carbonation, qui, elle, s'est centrée sur la fermeture des centrales à charbon, qui est vitale non seulement par la réduction des gaz à effet de serre, mais également en raison de l'impact local de ces centrales dans un petit nombre de régions. On a parlé de zones sacrifiées en raison de la pollution créée par ces centrales. Donc, avec des entreprises privées, nous avons conclu un accord pour fermer ces centrales d'ici 2040 et nous pensons que d'ici 2025, 60-65% sera en mesure d'être fermé. Donc, c'est une très bonne avance. Bien sûr, ce processus apportera de grands bénéfices pour les populations locales, mais aussi des enjeux, des défis. La santé va s'améliorer, mais bien sûr, on ne peut pas oublier la question des emplois. 5 000 emplois directs, 10 000 indirects sont concernés. Quelles sont les activités économiques de remplacement? Comment est-ce que nous allons gérer les risques liés à ces changements? Ces enjeux ont mis en évidence le besoin d'une stratégie plus globale. Donc, en 2021, donc très récemment, à la fin de l'année dernière, nous avons développé une stratégie de transition juste dans le cadre de laquelle la fermeture des centrales à charbon est le point de départ. Conformément aux recommandations, il y aura un processus participatif mettant l'accent sur les personnes, l'environnement, le développement environnemental et la gouvernance. Ce sont de grands progrès qui jettent un bon socle pour aller plus loin. Mais il y a d'autres questions qu'il faut envisager si nous voulons avancer de façon concrète et respecter les attentes de cette transition. Nous pensons que nous devons aller plus loin pour faire en sorte que les personnes restent au contrôle. C'est-à-dire, ce processus doit être maîtrisé par les personnes et pour ça, il faut des politiques adéquates. Mais nous pensons que pour avancer, il faut qu'il y ait une anticipation plus systémique, une meilleure transparence et décentralisation, sans oublier la question genre. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on parle d'anticipation systémique? Cela veut dire
qu'il faut envisager en même temps tous les aspects de cette transition. Souvent, on fait l'erreur de se concentrer sur des aspects particuliers en oubliant la création de problèmes ailleurs. Donc, il faut être tourné vers l'avant, anticiper et faire en sorte qu'en avançant, on ne crée pas des problèmes dans l'avenir. La transparence, très importante, bien sûr. On s'inquiète parce que on ne sait pas si les délais sont bons, si les systèmes sont sûrs. Il faut faire en sorte que les emplois soient des emplois de qualité. Et on s'inquiète de ce processus parce qu'on ne sait pas ce qu'il va donner. Il faut être aussi transparent que possible. La décentralisation est fondamentale. Le point de vue local doit primer, faire en sorte que les décisions prises sur chaque site tiennent compte de la spécificité de chaque site. Et enfin, la question genre. Il faut toujours penser à la condition particulière des femmes dans ce processus, car elle est très importante pour nous. Voilà donc un grand nombre d'enjeux très pertinents. Nous espérons apprendre de l'expérience des autres et nous allons contribuer nous-mêmes les leçons de notre expérience. Et donc, nous nous faisons un plaisir de maintenir notre collaboration avec l'agence à l'avenir. Merci, Monsieur le ministre, et merci d'avoir utilisé cet exemple. 10 000 emplois et de nombreuses de ces personnes ont bien sûr également des familles. Donc, on comprend bien la complexité de la situation et vous avez bien expliqué qu'il fallait que les individus maîtrisent eux-mêmes cette transition. Merci, merci de votre intervention. Nous allons maintenant aller vers le nord du Chili, à savoir les États-Unis. Je donne la parole à Monsieur le sénateur Joe Manchin. C'est à vous. Merci, Monsieur le ministre. Je suis ravie de vous revoir pour parler de cette question fondamentale. Je suis vraiment très fière d'avoir pu participer au travail de la Commission mondiale de l'AIE. Je remercie Monsieur Birol de m'avoir invité et je dois dire que l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que cette transition ne laisse personne de côté et c'est là le plus grand de nos défis. Je suis très fière des recommandations qui ont été tirées des travaux de cette Commission mondiale. Et je crois qu'elles arrivent vraiment à point nommé parce que mon amie, Madame la ministre Grenham, est venue me voir en Virginie-Occidentale le week-end dernier et elle a bien compris quels étaient les défis qui se posaient à nous. Nous avons organisé diverses réunions. Le groupe de travail... Alors, ce dont on peut se rendre compte, c'est que véritablement la Virginie-Occidentale est un État qui était producteur de charbon et d'énergie fossile. Et l'idée, c'est d'arriver à proposer de nouvelles opportunités pour les travailleurs de ces secteurs. Créer de nouvelles opportunités, ça veut dire qu'il va falloir utiliser tous les outils que nous avons entre les mains. Et les investissements de l'État peuvent être un moyen très efficace d'agir. Il faut aller voir les populations là où elles se trouvent et essayer vraiment de lancer des mesures incitatives. Il faut des mesures incitatives pour aider les personnes qui seront les plus touchées par la transition énergétique. Il faut diversifier l'économie de ces régions. Et l'idée, c'est vraiment de faire une proposition. Nous avons fait une proposition qui s'appelle la proposition 48. Il s'agit d'une proposition bipartisane qui vise vraiment à investir 8 milliards de dollars pour pouvoir étendre, construire de nouvelles infrastructures qui recyclent des produits liés à l'énergie avec 4 milliards pour vraiment aider les populations dont les entreprises, notamment la production de charbon, ont fermé au cours des dernières années. Ça fait des années que nous travaillons sur ce sujet-là. Nous observons la transition à mesure qu'elle a lieu et
Il est vrai que mon État est celui qui produit encore le plus d'électricité à partir du charbon du pays, et il est évident que la transition ne pourra pas avoir lieu si nous ne remplaçons pas ces emplois par d'autres emplois, parce que sinon il y aura tant de personnes laissées de côté. Il va falloir arriver à remplacer la production d'électricité à partir de combustibles fossiles par la production d'électricité nucléaire. Il faut arriver à promouvoir la création d'emplois dans l'ensemble de ces populations. Je travaille également très dur pour faire en sorte que la Virginie occidentale développe l'hydrogène propre pour pouvoir trouver également de nouvelles manières de produire de l'électricité, l'électricité propre, et vraiment aider les travailleurs de ces secteurs qui vont être en difficulté à se reconvertir. Il est évident que certains sont très touchés par la transition énergétique, et ce qu'ils veulent, ce n'est pas que l'on leur verse de l'argent, mais c'est que l'on leur tende la main plutôt qu'on les aide. Ce sont des personnes qui sont fières, qui n'ont pas envie d'être payées, mais qui parce qu'elles perdent leur emploi, mais qui ont envie de trouver un nouvel emploi, d'avoir une possibilité de reconversion. Et la guerre de Poutine en Ukraine nous a fait vraiment repenser l'ensemble de la situation, et il semble évident qu'il faut que nous aidions les populations de ces secteurs qui vont être touchés par la transition écologique. Il faut les aider à trouver un nouvel emploi. Nous avons lancé une coalition bipartisane sur le sujet, et je crois que c'est quelque chose de tout à fait unique, et nous essayons vraiment de nous mobiliser contre les atrocités qui ont cours actuellement en Ukraine. Et je crois que nos pays également se sont unis face à cette situation. La transition est en cours, et je crois qu'il y a des opportunités pour le secteur des combustibles fossiles. On peut continuer à en utiliser, mais de manière propre, et tout ce que l'on peut faire pour rendre la situation plus acceptable, c'est du captage de carbone. Et si nous arrivons à faire du captage de carbone, eh bien, nous pourrons compenser les émissions. Il faut utiliser des technologies émergentes, nouvelles, qui vont nous permettre de créer des emplois et également d'atteindre nos objectifs en matière de réduction d'émissions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis un peu sceptique par rapport aux véhicules électriques en Europe. Moi, ça m'inquiète vraiment en termes de chaîne d'approvisionnement. Je crains vraiment que nous ne dépendions complètement de la Chine pour nous fournir les ressources nécessaires pour faire cette transition. Et moi, en fait, je me tourne plutôt vers l'hydrogène, parce que pour l'hydrogène, on ne dépend de personne. Aux États-Unis, on va pouvoir produire autant d'hydrogène que l'on veut, surtout dans mon État, et cela permettra effectivement d'aider à la mobilité et de faire le travail nécessaire. Et je crois que toutes ces questions-là doivent rester à notre esprit à mesure que nous menons cette transition énergétique. Nous savons que cette transition doit avoir lieu, nous savons qu'elle a démarré, mais nous voulons simplement y participer. Et le crédit d'impôt 48C doit vraiment permettre d'aider les populations touchées par les fermetures de centrales au charbon. Et avec les petits réacteurs nucléaires, nous devrions pouvoir compenser la fermeture des centrales au charbon. Mon État est un exportateur net d'énergie depuis des années et des années. Nous allons continuer à faire cela. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'opportunité qui m'a été donnée d'intervenir aujourd'hui, et je me réjouis des changements qui ont cours dans le monde entier. Je vous remercie.
Merci beaucoup, merci Monsieur le Sénateur. Et je voudrais simplement reprendre trois points que vous avez évoqués. Il s'agit de créer des opportunités pour les individus. Vous l'avez expliqué très clairement. Les investissements des États peuvent être un outil très utile pour saisir ces opportunités, mais il faut le faire de manière intelligente en écoutant les populations afin d'avancer de la meilleure manière possible. Merci beaucoup. Nous allons maintenant changer de continent. Nous allons aller en Afrique et plus particulièrement en Afrique du Sud. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les vice-ministres, Mesdames et Messieurs, je crois que il faut que je vous parle du sujet qui nous touche tous dans le monde entier, à savoir le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais simplement vous dire que cela nous a touchés, cela a eu des conséquences négatives dans le monde entier, pour l'économie, mais également en Afrique du Sud. Cela pose un vrai défi pour l'AIE. Il faut vraiment réfléchir à la sécurité énergétique plus avant dans le monde. Et j'espère que nous allons réussir à nous saisir de ce défi, à le relever. Je voudrais en profiter pour remercier l'équipe qui a organisé cette conférence qui nous permet d'échanger à l'occasion de cette conférence ministérielle de l'AIE. Cette conférence a lieu à un moment où l'Afrique du Sud travaille dur pour assurer un approvisionnement en électricité qui permette vraiment de mener à bien nos activités. Il s'agit de trouver un équilibre entre les questions environnementales et notre production. Nous sommes également engagés dans le cadre de l'accord de Paris avec notre contribution nationale. Et je crois que je voudrais vous donner un aperçu de la situation en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous fabriquons 75% de notre électricité à partir du charbon. Nous avons beaucoup fait depuis 2019 avec un plan pour garantir que le bouquet énergétique dans le pays puisse être diversifié. Nous avons divers objectifs et nous travaillons avec la commission présidentielle sur le climat et avec le ministère de l'Environnement pour créer une transition énergétique. Et nous sommes lancés dans une initiative pour une transition juste vers une énergie propre. L'idée, c'est de permettre au pays d'arriver à mettre en œuvre une approche équilibrée de la transition, une transition inclusive qui ne laisse personne de côté, y compris les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. En tant que pays, nous souhaitons nous saisir de cette opportunité pour remercier l'Agence internationale de l'énergie de son aide continue afin de nous aider à utiliser toutes les ressources disponibles pour garantir que le pays ainsi que d'autres pays en développement puissent réussir la transition énergétique. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Vous avez également parlé de la commission présidentielle sur le changement climatique et je pense qu'effectivement ces travaux sont très importants. Ça permet de garantir un dialogue pour relever les grands défis qui se posent à l'Afrique du Sud. Nous allons à présent changer de continent à nouveau et nous allons passer au Canada. Merci, Monsieur le Président. Nous venons de parler des nombreux défis que connaissent nos pays, l'innovation technologique d'une part, et puis par ailleurs
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a vraiment remis en question la sécurité énergétique du monde. Donc, le sujet d'aujourd'hui arrive à point nommé, à savoir une transition énergétique propre axée sur l'humain. Ça fait des années que nous travaillons également sur cette question au Canada, à la fois au niveau local et à l'échelle du pays. Je voudrais vous décrire brièvement certaines des initiatives du Canada. D'abord, on a parlé de l'initiative qui a vu le jour, notamment aux États-Unis, mais eh bien, on peut parler également de l'initiative du Canada suite à la COP26 pour une transition vers des énergies propres. Nous avons beaucoup travaillé également sur l'égalité hommes-femmes qui est prise très à cœur au Canada. Nous sommes en train d'élaborer une législation pour aider les travailleurs face à cette transition. Il s'agit de créer 1 million de nouveaux emplois dans le pays. Et deuxièmement, nous œuvrons également vers une transition vers le zéro émission nette. Et vous savez que le Canada est un très grand pays et les expériences dans l'Est, l'Ouest, le Nord du pays sont très diverses et les solutions à proposer sont de ce fait variées également. Troisièmement, il s'agit vraiment de proposer des formations, de faire monter en compétences les salariés pour qu'ils puissent occuper ces nouveaux emplois. Et simplement à titre d'illustration, souvent on entend des personnes qui disent que cette transition a des effets négatifs sur le secteur de l'énergie. Alors moi je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait je dois dire que l'avenir du secteur énergétique me semble très positif en termes de compétences si on regarde les installations de production d'électricité utilisant des technologies nouvelles, eh bien, c'est assez proche de ce que l'on trouve dans les raffineries, finalement, en termes de compétences. Et pour les énergies renouvelables, il y a de nombreux emplois qui sont créés également. Et alors, Parfois, les compétences ne sont pas exactement les mêmes, mais je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les travailleurs des secteurs de l'énergie qui vont se reconvertir. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est très important de travailler sur ces questions-là. Et je suis ravie de pouvoir annoncer une nouvelle coopération aujourd'hui en travaillant avec l'AIE et les recommandations de la Commission mondiale. Nous visons à développer une autre initiative pour les trois éléments. Tout d'abord, il faut analyser davantage les données sur les compétences et le travail. Ensuite, il s'agit de mener des recherches au niveau fédéral sur les bonnes expériences, bonnes pratiques. Et puis ensuite, il s'agit de vraiment travailler sur les compétences, la formation de ces travailleurs. Et nous espérons que les résultats de ces travaux vont pouvoir véritablement être mis en œuvre et seront très utiles. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci d'avoir démarré ce nouveau travail. Et je crois qu'effectivement, au sein de la Commission globale de l'AIE, nous avons beaucoup parlé des compétences à développer parmi les travailleurs du secteur de l'énergie. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à la Commission. Madame Simpson, c'est à vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je suis ravie de participer à cet événement. Vous le savez, la Commission européenne est engagée à assurer une transition juste à la fois en Europe et dans notre voisinage immédiat. Nous souhaitons vraiment aider ceux qui œuvrent pour cette transition énergétique afin de créer un monde d'énergie qui ne soit pas seulement plus durable, mais également plus égal, plus démocratique et plus transparent. Et c'est vrai que c'est une grande priorité, ce depuis longtemps pour l'Union européenne. Nous avons appuyé cette transition énergétique dans l'Union européenne, mais également dans les Balkans occidentaux, en Moldova. Et nous allons vous donner quelques exemples. Avec l'un de nos États membres, l'Allemagne, nous avons créé une plateforme pour
permettre à de grandes régions productrices de charbon dans le monde de trouver un moyen de faire cette transition avec la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni. Nous avons mis en place un partenariat pour l'énergie propre et l'idée, c'est d'aider notamment l'Afrique du Sud à sortir de la production de charbon. Avec certains de nos États membres, notamment l'Allemagne, nous allons fournir 30 millions de subventions à cette fin. Nous travaillons avec nos partenaires aux États-Unis, au Canada, au Chili, au Danemark pour améliorer la formation de la main-d'œuvre, le développement des compétences pour la transition énergétique dans le monde entier. Et comme vous le voyez, cette transition juste, c'est quelque chose qui incite à travailler en équipe dans le monde entier. Et c'est vrai que le défi peut sembler immense, les solutions difficiles. Mais je souhaiterais remercier le président et Fatih, le directeur exécutif, d'avoir lancé cette initiative, cette discussion. L'Union européenne se félicite de pouvoir travailler sur ce secteur-là et nous sommes convaincus que les recommandations qui sont ici des travaux de la Commission mondiale seront très utiles pour les actions à prendre. La Commission européenne appuie également l'AIE dans ses travaux pour une transition juste, notamment avec les pays associés. Nous sommes prêts à renforcer la coopération avec son expérience, son expertise dans le domaine de l'énergie. L'AIE est vraiment très bien placée pour pouvoir montrer la voie. Et comme vous travaillez beaucoup sur les données, eh bien, vous allez pouvoir nous aider à peut-être mettre en place ce qui sera un observatoire de la transition énergie propre. Merci. Oui, merci. Comme vous avez souligné lors de cette intervention, cette idée de transition juste se trouve au cœur des activités de la Commission depuis de nombreuses années. Donc, il est très encourageant de voir que ça reste un principe directeur. Un point clé des travaux de la Commission, c'était de pouvoir écouter les représentants de la jeunesse. Donc, nous allons maintenant passer la parole à M. Oudé. The floor is yours. Vous avez la parole, monsieur. Good morning, and thank you. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je vais parler au nom de la jeunesse. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous. Aujourd'hui, malgré les meilleurs efforts des collègues de l'agence, comme d'autres ont dit, il n'y aura pas de transition énergétique sans que les personnes soient au cœur de ce processus, et notamment les jeunes. Et il faut s'assurer que personne ne soit oublié. Il est indispensable que les jeunes participe à la prise de décision au plus haut niveau. Depuis de longues années, les jeunes du secteur n'avaient pas ce sentiment d'engagement dans les processus vers des énergies propres. Néanmoins, après de grands efforts entre 2018 et 2020, le SDG7, le groupe SDG4 est créé. Nous avons un millier de membres dans toutes les régions du monde. Et nous avons réussi à mobiliser les jeunes pour soutenir un certain nombre d'initiatives. En créant un grand répertoire d'entreprises menées par des jeunes, il y a au moins 100 projets dans ce cadre. Par exemple, il y a des entreprises qui mettent à disposition des collectivités des solutions gratuites, notamment dans des camps de réfugiés au Bangladesh et d'autres communautés vulnérables. Nous aidons des communautés pauvres à utiliser ces technologies. Et nous avons même des entrepreneurs parmi les réfugiés Rohingyas. Et il y a un grand nombre d'œuvres charitables qui travaillent dans leur communauté locale.
Il y a aussi Energy Shift qui permet aux citoyens de participer à la transition en leur permettant d'investir dans des centrales solaires, ce qui est meilleur pour l'environnement et pour leur économie personnelle. Nous avons lancé un certain nombre de pilotes au début de l'année dernière et maintenant il y a une énergie propre grâce à ces centrales solaires. Mais tous ces projets doivent faire face à un grand nombre d'enjeux, des barrières bureaucratiques par exemple, avec des processus d'enregistrement pour les startups très compliqués. Il est très difficile pour les petites startups locales de faire face aux grandes entreprises. Mais si on investit dans les collectivités locales, on va financer la recherche et créer des emplois. Là encore, soutenir les jeunes est d'une grande importance. Il faut réfléchir aux solutions et il faut mettre l'accent sur l'humain, l'axe humain de la transition. Il y a 3 milliards de personnes qui n'ont pas d'électricité propre pour le chauffage et la cuisine. Il faut résoudre ces problèmes auxquels font face notamment les femmes, les enfants et les jeunes. Il faut consentir les investissements nécessaires. Actuellement, seulement un tiers des montants nécessaires ont été consacré à l'Afrique. Donc, la politique publique en matière d'avenir ne sera juste que lorsque toutes les communautés concernées bénéficient des solutions. Donc, les jeunes vont participer à ce processus et faire en sorte que les promesses soient respectées. Merci pour votre attention. Malheureusement, j'ai eu une très mauvaise connexion Internet, donc il n'était pas possible d'entendre toute cette intervention. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir précisé qu'il est indispensable que les jeunes puissent participer, notamment par le biais d'entrepreneuriat, de start-up. C'est indispensable pour créer de nouvelles opportunités, de nouvelles technologies susceptibles de résoudre ces problèmes. Merci de l'avoir dit. Et en dernier, nous allons passer en Inde, aussi une connexion virtuelle. Merci, Monsieur le Président. Merci, Ministre Jorgensen. Merci aux Excellences, au Dr Birol. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis l'Inde, cette expérience a été très enrichissante de participer à cette commission mondiale pour une transition vers l'énergie propre, juste axée sur l'humain. Notre collaboration s'est fondée sur une vaste gamme d'expertise, d'expériences et de témoignages afin d'impulser notre ambition commune pour qu'il y ait une transition énergétique juste axée sur l'humain. Il est important d'humaniser ce processus en allant au-delà des sources d'énergie, les développements technologiques et les mécanismes de financement. Nous devons internaliser le fait que les personnes, les sociétés et les pays, c'est plus que la somme de leurs éléments techniques. Nous devons être conscients de l'importance des communautés qui sont faites de personnes qui ont des aspirations. C'est surtout important pour les pays en voie de développement comme l'Inde qui doivent trouver l'équilibre entre la transition énergétique urgente et
le développement, car nous souhaitons soulever et sortir de la pauvreté des centaines de millions de nos habitants, leur donnant de bonnes perspectives, leur donnant la possibilité de prospérer autant que leurs homologues du monde développé. La transition énergétique des pays en voie de développement est fortement imbriquée dans leur transformation économique. L'Inde, par exemple, a accéléré son développement socio-économique, notamment à la base grâce à des politiques ciblées. Elle cherche à améliorer l'inclusion financière, sociale et la sécurité et l'accès à la connectivité physique et numérique de ses citoyens. Par exemple, en 2005, l'Inde a lancé un projet de garantie d'emploi rural, c'est-à-dire assurer 100 jours rémunérés à ces personnes. Il y a 152 millions de travailleurs dans ce secteur et a largement résolu le problème de 2015. Des Indiens ont pu ouvrir plus de 400 millions de comptes en banque grâce à l'authentification biométrique. Nous avons fait de grands progrès dans la connectivité physique et numérique, améliorant l'accès aux biens et aux services. Cela a renforcé le secteur privé. En Inde, 64 millions de PME, SME, micro-entreprises, et avec un effectif de 450 millions, ces personnes ont été intégrées dans le secteur formel. Des initiatives d'entrepreneuriat nous donnent de nouvelles solutions avec des entreprises dirigées par des femmes. Notre gouvernement livre des essentiels comme les soins de santé, l'eau, l'énergie à des pauvres grâce à ces missions. En 2021, 4 millions de foyers ont été électrifiés avec une électricité 24 heures par jour. Nous avons apporté 9 millions de connexions à des foyers pauvres entre 2016 et 2021 pour assurer une source d'énergie pour la cuisine. Et 9 millions de foyers auront le tout à l'égout en 2025. Et nous avons financé un programme de santé avec 500 millions de bénéficiaires. En raison de la pandémie, nous avons fait face à un problème d'investissement. Néanmoins, en 2021, nous avons reçu un record historique. D'après le FMI, cette année, la croissance indienne va rebondir et nous ferons partie des économies avec une croissance plus rapide de l'humanité. Donc, la durabilité et la justice sociale sont au cœur de ces activités. Plus de 80 % des besoins d'énergie de l'Inde correspondent à trois combustibles. Biomasse solide, pétrole et fuel. Et ces besoins vont doubler dans les années à venir. Et notre gouvernement travaille activement pour rendre plus propres nos sources indigènes. Il y a plus de 150 gigawatts de capacité en renouvelable en Inde et l'objectif, c'est 500 gigawatts en 2030. Actuellement, nous avons 40 % de notre énergie qui vient de sources non fossiles. Ça doit passer à 50 % en 2030. Nous développons l'hydrogène vert afin de décarboner un certain nombre de secteurs et s'est engagé sur la réduction du charbon. L'Inde apprécie les avantages des transitions des énergies propres, par exemple passer de biomasse vers le gaz gazéifié, a réduit d'au moins 150 000 morts dus à la pollution interne. L'Inde développe également un cadre national pour encourager
les individus à changer d'habitude, créer des institutions qui cherchent à encourager une utilisation raisonnée des sources d'énergie, mais pour qu'il y ait une transition juste au niveau mondial, et il faut reconnaître qu'il y a un grand écart en consommation par tête entre les pays développés et sous-développés. Par exemple, les États-Unis consomment à peu près 13 000 kWh d'énergie par personne annuellement par rapport à 4 000 en Chine et 805 en Inde. Et au Nigeria, 845. Ce qui met en évidence ces grandes différences. Cela correspond au niveau de vie et au niveau d'activité commerciale et industrielle. Mais nous devons viser une meilleure parité avec le reste du monde. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience, mettant en évidence vos réalités. Difficile, bien sûr, de trouver un équilibre entre cette transition et les besoins de développement. Nous avons donc entendu tous les intervenants. Il nous reste une douzaine de minutes pour un rapide tour de table. L'heure passe vite, je constate, donc je vous demande de faire concis. Si vous prenez la parole, je crois que vous avez reçu 6 questions. Je vais vous répondre d'abord quels sont les domaines clés à l'avenir. On souhaite vous entendre là-dessus. Et comme l'a dit déjà le Canada, on pourrait vous demander ce que vous pourrez faire de plus et qu'est-ce que vous pourrez partager sur le plan international. Donc, j'ouvre la discussion. Je sais que le co-président de la ministère, notre collègue belge, a demandé la parole, donc je vous la donne. Oui, merci, Monsieur le Président. Et merci beaucoup, même s'il n'est pas là. Je voulais remercier Dr. Fatih Birol, mais Brian est là, donc je le remercie en son nom. Merci pour tout ce que vous avez fait dans cette commission mondiale pour une transition énergétique propre, juste axée sur le MAN. Et tout ce que nous avons entendu nous indique à quel point c'est important. Cette transition ne concerne pas que des questions techniques et l'infrastructure, c'est surtout axé sur l'humain, sur nos populations. Et j'ai pu discuter avec notre nouveau collègue chilien ce matin qui mettait l'accent là-dessus. Il faut créer une nouvelle économie de l'énergie basée sur les contributions des personnes et comment créer le bien-être à partir de l'énergie. Donc, j'étais ravi d'entendre le Dr. Birol annoncer une nouvelle initiative de l'agence. Ce conseil du travail sur l'énergie, ça doit être une de nos premières priorités. Aujourd'hui, dans ce contexte, on voit que l'énergie, c'est une question de sécurité nationale et mondiale. Tout cela est bien sûr relié au monde du travail et créer des opportunités pour tout le monde. Ce que nous pouvons partager sur le plan international, ce sont nos exemples. Notre collègue américain, par exemple, a déjà parlé de l'élimination progressive du charbon et nous devons aider et accompagner nos citoyens lors de ce changement qui est difficile. Il est logique d'avoir peur du changement, notamment aujourd'hui en temps de guerre. On voit que les factures d'électricité grimpent. Donc, c'est aux responsables politiques d'accompagner nos populations vers cette sécurité et expliquer ce qui fonctionne. Il faut que nous partagions les uns avec les uns les autres les politiques qui marche pour ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Et nous pouvons tous jouer un rôle important pour partager, car il ne s'agit pas simplement de trouver un plan d'action à 10 points sur le gaz et un autre sur le pétrole, mais il faut aussi un plan d'action à 10 points sur la transition.
vers des factures abordables pour tous. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de ce plan à 10 points. Je pense donc que vous constaterez avec plaisir qu'on n'a pas oublié le changement de comportement. Sur ma liste, j'ai aussi de la Commission de l'Union africaine. Nous avons un intervenant. Oui, bonjour tout le monde. Je sais que j'ai été invité par la Commission, mais je suis très impressionné par ces travaux. Je pense que je vais parler à la prochaine séance. Néanmoins, je tenais à souligner une fois de plus sur la centralité de l'énergie pour le bien-être de nos populations. C'est une force critique du développement social et pour l'élimination de la pauvreté. Et je pense que cette réunion a une fois de plus mis en accent ce que nous avons toujours, à savoir que l'énergie est centrale, capitale pour la paix et la sécurité. Donc, n'oublions pas que l'Afrique a toujours 600 millions de personnes privées de l'accès à l'électricité. Il y a 900 millions de personnes sans accès à l'énergie propre et qui continuent de déboiser pour pouvoir faire la cuisine. Nous ne pouvons pas continuer à y voir encore un projet, un programme d'énergie. Cela doit être au cours de nos activités. Il faut qu'il y ait un accès universel, abordable et sûr. Cela sera non seulement dans l'intérêt de l'Afrique, du monde entier. Donc, je lance un appel. Il faut que les gens, notamment les Africains, soient au cœur de nos efforts pour créer un accès abordable à l'énergie pour tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir évoqué ces points très importants. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention pour conclure? Non? Très bien. Eh bien, je vais donc essayer de conclure notre discussion. Nous avons entendu de nombreuses bonnes idées et je crois que je vais peut-être commencer par l'introduction de Madame la ministre Granholm, qui nous a dit que finalement tout dépend des individus, ce sont les êtres humains qui sont au cœur de cette transition. Et on peut regarder les chiffres de l'AIE. Fatih Birol a dit qu'en fait il y a toutes ces opportunités de création d'emplois, mais comme nombre d'entre vous l'ont dit, ces emplois ne seront pas les mêmes que ceux qui sont supprimés. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'un des grands défis, c'est de voir comment l'on peut reconvertir, comment l'on peut former les salariés qui vont perdre leur emploi. Ça a été également évoqué par notre représentant de la jeunesse. Il faut créer des opportunités pour de nouveaux emplois, mais également des opportunités pour de nouvelles entreprises, de nouveaux venus dans le secteur. Voilà pour les grands sujets. Nous avons également entendu parler de l'importance des interventions gouvernementales, mais qu'il faudrait qu'elles soient concentrées sur les bons objectifs. Et si l'on arrive à faire cela, eh bien, ça permettra de relever le défi. Et si l'on souhaite aller dans le bon sens, Monsieur le sénateur Manchin a dit qu'il faut écouter les citoyens. Et nombre d'entre vous ont également évoqué de nombreux programmes. Vous avez inclus diverses manières, justement, d'entendre la voix des minorités, des régions, des salariés et autres. Voilà, je pense que c'est également un point important qui a été évoqué. Et puis, on a beaucoup parlé du secteur du charbon. Et d'ailleurs, dans les travaux de la Commission mondiale, ça m'a un petit peu surpris, c'est que le nombre
de personnes travaillant dans le secteur du charbon dans le monde finalement dépasse le nombre d'habitants du Danemark. Et donc je n'avais pas idée finalement de la vraie taille du secteur du charbon dans le monde. Puis l'Inde a évoqué le fait qu'il fallait essayer de trouver un juste milieu entre le développement, la transition vers une énergie propre, mais également une transition vers des emplois décents. Et pour conclure, comme Sharon Burrow l'a dit, il s'agit également de créer de bons emplois, pas simplement n'importe quels emplois. C'est-à-dire que si l'on reconvertit les salariés à d'autres emplois, il faut leur proposer un emploi qui soit au moins d'aussi bonne qualité que l'emploi qu'ils viennent de perdre. Et donc, vous nous avez dit tout cela effectivement dans votre intervention, madame. Il est important, à mesure que nous avançons, Fatih l'a dit, et du reste, il va créer un nouvel organe pour discuter de cela. Nous avons d'ailleurs un mandat ministériel sur le fait qu'il faut axer nos actions sur l'humain. Et au Danemark, nous allons viser cela dans notre travail pour sortir du pétrole et du gaz et du charbon. Et vraiment, les deux agences qui travaillent sur ce sujet-là visent à faire en sorte que l'on n'oublie pas l'humain. Nous dépendons beaucoup de cette transition juste vers les énergies propres. Alors, si vous n'avez pas encore lu les recommandations de la Commission mondiale, je vous invite à le faire. C'est un très bon point de départ, mais ça n'est qu'un point de départ. Il faut transformer l'essai maintenant et nous en servir comme ligne directrice pour toutes nos actions à venir. Merci beaucoup de votre participation. Et peut-être pour conclure, le mot de la fin, j'ai juste une question. Les chaînes d'approvisionnement. Parce qu'on sait ce qu'a fait la COVID à chacun d'entre nous, les grands défis face aux chaînes d'approvisionnement, ce que cela fait en termes d'inflation. Et je crois que ça a créé pas mal de souffrances dans le monde entier. Il s'agit d'essayer de voir quelles sont les ressources dans les pays pour ne pas dépendre totalement des chaînes d'approvisionnement mondiales qui peuvent être perturbées ou être totalement interrompues. Est-ce que cette transition a lieu actuellement? Eh bien, je crois que du point de vue de l'Union européenne, on voit très clairement qu'on essaye de très rapidement de moins dépendre de la Russie pour les importations de gaz. Ça avance très vite. Et il y a également des travaux de l'AE sur les ressources minières critiques. Et il est évident qu'il faut que nous fassions en sorte de réduire notre dépendance. Je crois que les États-Unis ont joué un rôle crucial déjà dans cette initiative. Et évidemment, nous allons continuer à travailler sur ces questions-là, notamment suite aux deux chocs qu'ont connus les chaînes d'approvisionnement. Et ça fait également partie des recommandations pour faire en sorte que l'on travaille sur la sécurité énergétique en axant tout ça sur l'humain. Merci beaucoup. Ah, je vois que il y a d'autres demandes d'intervention. Oui, très rapidement, c'est une question qui tombe à point nommé. L'AE et l'Australie co-accueille un forum à Sydney en juillet pour discuter justement des chaînes d'approvisionnement dans le secteur de l'énergie et pour aborder exactement ce type de questions. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer à ce forum en juillet. Et je suis prête bien sûr à vous donner tous les détails concernant cette future conférence. Merci. Je voudrais réagir parce que vous avez parlé de la pandémie. Et en effet, lorsque la crise lieu, eh bien, on est confronté à ses conséquences. Mais très souvent, l'on ne réagit pas suite à cela. Par exemple, il y a eu la crise financière, il y a eu la crise sanitaire. Je crois que les chaînes de valeur sont un sujet évidemment crucial suite à la pandémie, mais je n'ai pas l'impression qu'on s'en saisisse véritablement. Et je propose que l'on se saisisse des opportunités pour réfléchir à ces chaînes d'approvisionnement, à ces chaînes de valeur, avec la résilience à l'esprit. Il faut également parler d'économie circulaire.
parce que ça permettrait de réduire le fossé qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone. Et donc, je pense que la réflexion doit continuer, doit se poursuivre, parce que si on perd ce sujet-là de vue, eh bien, nous ne ferons pas cette transition à temps. Merci, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je comprends bien la question du sénateur américain. Et effectivement, il est très important de réfléchir à l'autonomie stratégique et pas uniquement de réduire la dépendance au gaz russe, mais de manière plus générale. Et en même temps, il ne faut pas confondre la stratégie, l'autonomie stratégique et le protectionnisme. Nous sommes vraiment pour des marchés libres et ouverts. Oui, je pense qu'avant de nous lancer dans un débat bilatéral, je remercie chacune d'entre vous de votre participation. Encore une fois, je vous invite à lire le rapport avec les recommandations de la Commission mondiale et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec l'AIE sur ce sujet important. Merci beaucoup.